Alors, le jeu de ce soir, les crocs, s'appelle Homeless, ce qui veut dire sans abri, je crois. Alors, Homeless est un jeu d'horreur psychologique dans lequel vous incarnez un homme nommé Albert. Jusque-là, tout va bien. Un agent de sécurité de nuit dans une station de métro de Brooklyn. Ok, donc on bosse en tant que... dans la sécurité, quoi. Sécurité de nuit. Dans un métro. En vérifiant les caméras de sécurité, Albert remarque une étrange silhouette qui se cache dans la voie ferrée restreinte. Un homme maigre en vêtements sales, étrangement grand. Au début, Albert pense qu'il a affaire à un sans-abri inoffensif et vulnérable, comme d'habitude. Mais alors qu'il découvre les crimes de la personne, il... on n'a pas la suite. En gros, il y a un méchant monsieur dans le métro, quoi. Je déteste cette ville. Les riches profitent de leur vie dans leur grande maison tandis que les pauvres sont en bas dans la rue. Ça fait 45 ans que j'essaie de sortir de cette ville mais je suis là... toujours dans la merde à m'occuper du métro la nuit quoi. Okay. Oh, on commence à jouer? Oh... ok. Alors, le son. Dites-moi, au niveau du son, je vais peut-être baisser un peu mon micro. On va faire les petits réglages avant. Hop. Ok. Est-ce qu'au niveau du son, les crocs, ça va? Et au niveau de la fluidité, est-ce qu'on est bien? Petit test fluidité son. Impeccable. Vous me dites hein, sur votre écran comment ça rend. S'il y a un problème, il faut me le dire. C'est super fluide, yes, impeccable, yes, tout est super good. Nickel, nickel, super, ok. Bon. Et ben on y va. Putain, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Théâtre. Alors, c'est où qu'on bosse? C'est là-dedans? Ça doit être là-dedans. Sécurité. Ah voilà, les caméras, elles sont là. Ok. Très bien. Il faut que je check les caméras. Alors, fais voir un peu. Oh, c'est trop bien. Ok. Donc, toutes les caméras du métro. Ok. Ah! Ah, putain! Oh, mec, une autre panne de courant. Je dois aller fixer ça. Enfin, je dois réparer ça. Oh. Ok. Go. Faut que j'aille réparer le... le fusible. Pas dégueu, hein. Ok, c'est ça. Ça y est. Nous v'là dedans. Nous v'là dedans. Alors, par contre, le truc flippant, c'est que j'ai pas d'arme. Donc, je ne peux pas me défendre. Et j'ai pas non plus de lampe torche. Allons, on répare. C'est fait ? Je crois que c'est fait. Bon. Il y a quelqu'un. Qui est là ? Il débrouille pas. Il y a quelqu'un qui chante.
Vous entendez? Il y a quelqu'un qui murmure. On est censé être seul, hein, quand même. Dis ça, je dis rien. Il fait noir, là. Have you ever heard the cry of an angry man? As-tu déjà entendu le cri d'un homme énervé? Putain, les crocs, ça commence. Ça commence. Une charmante famille. Sa mère. Don't be afraid of the shadows in the alleys, it's me watching you. N'aie pas peur des ombres dans les couloirs, c'est moi qui te regarde. Oh putain, non mais c'est un clochard. C'est un clochard qui vit ici, regardez. Famille perdue, maison perdue, j'ai tout perdu. J'ai perdu tout ce que j'avais. Il y a un truc qui sonne, c'est quoi? Ok, donc il y a un SDF qui vit là. C'est peut-être lui qui joue avec nous, je sais pas. Ok, 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 ok. Bon, on se casse. Il y a un truc qui sonne. Ah, affamé, c'est pas énervé, c'est affamé. Ok, excusez-moi. C'est vrai que les mots se ressemblent. Oh, 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 c'est quoi ça? Il y a une ombre. Les murs sont dégoûtants. On dirait un autre sans-abri. Ouais. Ouais, pour moi aussi, c'est un SDF. Bah écoutez, pour l'instant, l'ambiance est pas dégueulasse. J'aime beaucoup. On va retourner checker les caméras. On sait jamais. Oh non. C'est qui ce gars? Gros, c'est le Slender du métro. Ah non, il fait bader. Oh, on dirait la poupée dans Saw. Les gros, c'est la poupée dans Saw version 3 mètres de haut. Oh my god. Moi, il fait peur. Regardez sa coupe de cheveux. Salut Chatinou. C'est pas humain, c'est pas un SDF ça. Regardez ses yeux. Ah, oh, on dirait la poupée dans Saw. Bon, faut redescendre en plus les crozins. On va devoir redescendre, putain. Ok. Faut qu'on aille voir. Hein. Ah, il fait peur. Ah, il fait bader. Ah, j'aime pas. J'aime pas du tout. Aïe, 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 j'aime pas du tout. Ses yeux sont tellement perçants. Il va nous percer le cul, on va rien comprendre. On fait gaffe, hein. Faut que j'aille là? Ok, faut passer par là. Il est là pour te manger. On va éviter, hein, quand même. Oh, mais attends, je dois pas aller là-dedans, quand même!
C'est une blague. Les creuses. Je dois aller dans ce puits là. Ah bah oui. Bah allons-y mesdames et messieurs, tant qu'on y est. Pourquoi pas après tout. Ah mais attends, mais là on sait qu'il est là quoi, c'est ça le problème. C'est qu'on sait qu'il est là, on l'a vu hein. Et j'ai toujours pas de lampe torche. Ça? Il a mixé des morceaux d'humains dans le mixeur. On a affaire à un cannibale. C'est pas du tout un SDF. C'est un putain de cannibale. Il y a une tête hein, dans le truc, je sais pas si vous... Oh, putain sa mère! Je cherche le quai pour la voie 9 et 3 quarts, c'est ici? Putain! Je déteste Harry Potter maintenant. Plus jamais je vois ce film, c'est bon. La 9-3 quarts, elle va se faire enculer. Ralen, t'as vraiment envie de finir comme ça ou pas? Continue, t'es bien parti. Hein. Je vais te foutre la tête dans le four si tu continues. Ah putain, j'ai les mains moites, ça y est, ça m'a fait peur. En vrai, je joue à ce jeu, je me chie dessus. Oh là 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 là, putain, il nous a eu, hein. Eh, il nous a eu, hein. Bon. C'est donc une tête humaine. C'est bientôt celle de Ralen. Alors, théorie, le mec est un SDF, mais il est tellement affamé qu'il a commencé à bouffer des gens et il est devenu un monstre. Très très bonne théorie, Brabit. Ah oui, je te suis. Peut-être que le mec avait pas à bouffer, du coup il s'est mis à manger des gens. Ah, c'est pas bête, hein. On verra. Ça vous plaît ou pas pour l'instant? Petit avis rapide. Qu'est-ce que vous en pensez du jeu, les creuses? On doit être à 20 minutes de jeu, même pas. Hein. Ouais, 20 minutes. J'aime bien l'ambiance, moi. J'ai crié ma solitude dans les rues, mais personne ne m'entendait. Le mec il s'amuse à laisser des. À laisser des mots partout dans le métro. Ah, il a niqué les systèmes. Oh, il y a des photos là. Ah, sûrement la construction du métro au fur et à mesure des années. Ok. Des clopes? Mela qui offre un abonnement. Merci beaucoup, Mela. Merci.
très gentil, ça. Merci beaucoup. Super sympathique. Un grand merci à vous, les croisants. Bon, on va essayer de passer par là. Oh putain, non, des chiottes. Oh non hein. Les chiottes des femmes, les creuses. C'est très dangereux de rentrer là-dedans. Hein. Moi, je vous le dis, surtout quand il y a du bruit. Mesdemoiselles, tout le monde dehors. Putain, mais on dirait le chiotte justement de Harry Potter avec le troll, non? Là, t'as le troll qui arrive et il y a une bataille et tout. Je me souviens de ça. Alors, à quoi ça nous a permis d'arrêter l'eau? Putain, sa mère. Attention, un basilic. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un là-dedans qui supporte pas les dons de Ralen. Ok. La chasse d'eau vient de s'allumer. Oh non, j'avais pas vu. Oh non, il y a le shot des mecs. Merci Ralen, hein. Merci pour les petits dons. Mais tu vas finir dans le four. C'est ça le problème. Attends, le shot des mecs. Ouh là là. Hello ? Et Kika ? Je viens en paix. Il y a une ombre là ou c'est moi ? Attends. Je peux pas le prendre le balai là ? Il y a une ombre, les croses. Il y a quelqu'un là ? C'est pas du sang ça quand même. Attends. Je crois qu'il y a un mort là-dedans. Je viens en paix. Oh, on peut ouvrir. Bon. 3, 2, 1. Ah, c'est un riche. Ah d'accord, ouais, en fait je crois qu'il tue les riches parce que lui c'est un SDF. Ah putain, mais stop. Arrêtez. Ils sont méchants. Moi je suis gentil avec eux, ils sont méchants. Euros, putain, j'avais pas vu. Merci Kiki, hein. C'est un gros don, ça. Un très très gros don. Alors du coup, ce monsieur... C'est pas la tête qu'on avait vue dans le micro-ondes. Ça doit être sa tête à lui, non? Et du coup, en gros, sur la note, ça dit que bah, c'est un riche homme d'affaires, machin. Et je crois que c'est pour ça qu'il a été tué. Parce que justement, il est riche et... Et le tueur, il est jaloux des riches. Ouais, bah, vu qu'il est pauvre. Voilà. Bon, bah très bien. Oh putain, non, il arrive. Ah ! Il arrive ! Oh ! Ah oui, il va essayer de nettoyer le corps. Oh putain, chut.
Sorry. Eh, vous êtes vraiment les pires. Vous aimez torturer les gens, hein. Qui a fait le don ? Tayla ? Tayla, encore une fois, toi, je t'aimais bien aussi, hein. Maintenant, je t'aime moins. Non, c'est super gentil, merci pour les dons, hein, en vérité. Bon, ça me fait très peur à chaque fois, mais merci. Merci beaucoup. Il est parti. J'allais dire un truc, les crosses, putain, j'allais dire un truc important. Vous m'avez coupé. Vous m'avez coupé, je sais plus ce que j'allais dire. Je me suis posé sur les chiottes, là. J'ai réfléchi à un truc, j'allais le sortir. Et Tayla m'a fait peur. Et bim bim bim. Pour les dons, ben c'est point d'exclamation don dans le chat, hein, si vous savez pas. Voilà. Si vous voulez me voir mourir en live, c'est là que ça se passe. Bon, je peux sortir Ilouz du con, là. Aïe, 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 aïe. Parce qu'en fait, je sais qu'il est grand. Et je sais que j'aime pas sa tête. Donc il va me faire peur. S'il apparaît, il me fera peur, c'est sûr. Bonsoir, Justine. On va essayer de repasser par là. Allez hop! Kiki! Merci pour les 500 bits, c'est super gentil, merci beaucoup! Il est mignon, tu vois, cette alerte est mignonne. Elle fait pas peur. Donnez-moi des bits, les crosses, je préfère. L'alerte est moins flippante. Eh ben écoutez, on continue. Ah, c'est beaucoup moins agressif, hein. Oh putain, c'est quoi ça? Hein? Merde, il faut un code. Oh non. Non! Il faut un code. Non, c'est bon. Merde. On n'a pas le code. On n'a pas le code, les crozes. Alors attends, oh, faut que je réfléchisse. Ça y est, je dois réfléchir. Le code se trouve forcément ici. Là, 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 7. Ok, 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 ok. Il y a un 7. Mais là! Merci! Le monstre va passer rire aux larmes. Merci, Mela, c'est super gentil, merci. Attendez, c'est beaucoup là, 15€, hein. Faut se calmer. Hein. Ça commence à faire beaucoup, les crozins. Il y a un 8 là. Merci, mais là, merci les crozins pour les donations. Alors, on a un 7 là, c'est A, 8 c'est C, donc ça commence par un 7. Le troisième c'est un 8. Ici, D, 7, donc ça fait 7 quelque chose, 8, 7. Mais là, mon cœur, entre le café et toutes les frayeurs que vous me faites, je vais faire une tachycardie. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est un 3. Du coup, c'est 7, 3, 8, 7. Normalement. Je dirais 7, 3, 8, 7. 7, 3, 8, 7. 7, 3, 8, 7. 7, 3.
Quand je vous le dis qu'on est trop fort. Quand je vous le dis. C'est pas une blague, hein. Putain! Ah, aïe 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 aïe! Qui veut du croc grillé ce soir? C'est Toshi et Slender Metro. Les gros, si vous voulez me faire plaisir, faites des beats. Juste 5 minutes, s'il vous plaît. Histoire que je récupère. Merci, Siraya. Merci beaucoup, hein. Merci, merci, merci. Petite trompette. Toshi va plus craindre les dons que le cannibale. Ah, bah, c'est ce qui est en train de se passer actuellement, hein. Je t'avoue. T'avoue que là. Coucou Lady! Ah bah oui, c'est vrai qu'on t'a offert. On t'a offert un sub. C'est quoi ce bruit là? Attends, il se passe quoi là? Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi le jeu là? Pourquoi tu t'excites? Oh, le son, il est dégueulasse, là, par contre. Ça vous fait pas trop mal aux oreilles? Oh, le son, il est fort, là. Oh! Mais non! C'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Nous, on a vu un grand. Nous, on a vu un grand, c'est pas un grand. Nécrose. C'est un petit, lui, hein. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je ne veux du mal à personne, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je n'ai pas d'abri, s'il vous plaît. Vous inquiétez pas l'ami, je vous mets pas dehors. Je voulais juste savoir si vous avez vu quelqu'un de grand nommé Vulture. Ah, il s'appelle Vulture. Je suis là depuis longtemps et je n'ai jamais vu un autre sans abri. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Ok, donc en gros, il est là depuis longtemps et il a pas vu de... Il a pas vu de... Bah, d'autres SDF que lui. Tu nous arranges pas les choses, toi, hein. Vilain garçon. Bon, allez, je te laisse tranquille. Bon, bah, on n'est pas... On n'est pas plus avancé. Qui offre un sub à Brabit? Oh là là, mais vous êtes gentil ce soir. Oh là là. Merci beaucoup, merci Kiki. Eh bah Brabit, tu peux remercier Kiki. Voilà, un mois sans pub. Allez go, on va passer par là. Salut Lion. Lion. Oh putain, c'était quoi? Il y avait un pendu? Ou alors c'était lui? C'était lui ou pas? On aurait dit qu'il était de dos. Ouais, j'ai vu un grand truc. J'ai vu un grand truc. Il y a des bruits chelous dehors chez moi. C'est le SDF, il arrive. Ouais, vite, fais gaffe. Barricade-toi. Ah, nous revoilà dehors, ça c'est cool. Ah, l'air frais. Très
Très bien. Je vais appeler les flics maintenant. Ok, il faut qu'on appelle les keufs. J'ai pas vu s'il flottait. Pour moi, il flottait pas. Coucou Toshi Mignon. What? C'est qui ça? Il aura disparu si j'y vais, c'est sûr. Ah non. Attends, quoi? T'es pas un méchant, hein? Tu me veux pas du mal, hein? Pas compris. Je sais pas qui c'était. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des caméras. Ah non, faut que j'a... Il est là. Il est là. Je peux pas cliquer dessus. On appelle les flics. Il est où le téléphone? On appelle les keufs. Merde, le téléphone est pété. C'est pas une très bonne nouvelle, ça. Comment je fais, moi, pour appeler les flics? Bits Siraya, merci, c'est gentil, merci pour les bits. I am hungry, j'ai faim. Est-ce que je peux te manger? Je suis avarié, moi, on peut pas me manger. Hein. J'ai le Covid. J'ai faim, est-ce que je peux te manger? Mais c'est un malade. Oh putain. Non! Laisse-moi tranquille! Oh la gueule! C'est pas humain ça! Bah non! Putain, ça sent le jumpscare! C'est une entité, tu crois, Dono? Ouais, je crois aussi, ouais. L'entité des métros. Un cannibale avec une sacrée calvitie. Il est vrai. Où est-ce que je dois aller? Ah, je dois aller là-bas. J'ai hâte de connaître le fin mot de l'histoire quand même. Ouais, là on est clairement le suivant sur la liste. Hein. Faut qu'on fasse gaffe. Parce que là, à mon avis... On est sa petite tartelette aux fraises, tu vois ce que je veux dire? Il manque plus que la petite chantilly dessus. Bon, fais gaffe, hein. La viande humaine, ça ne fait pas pousser les cheveux, on dirait. Alors. Oula! Oula. Ok. Oh, c'est compliqué ça. Oh putain. Ça demande du talent. Et voilà. Par là. Ouais, on n'a pas beaucoup d'infos. On sait juste que le mec, il a super faim. Qu'il est grand, qu'il a pas l'air humain. Et qu'on est le prochain sur sa liste. Bah à part ça... On n'en sait pas plus les crozes. Il est pas loin. Oh putain, c'est quoi ce bruit?
Qu'ai-je fait ? Ton perso est fou et suicidaire. Tu crois qu'on... Ah, tu crois qu'on l'invente ? Tu crois qu'il n'existe pas ? Oh là là, mais quel enfer. Non, moi je crois qu'il est bien réel quand même. Bah, il y a des cadavres. Hein. On a vu des cadavres dans les toilettes. Et ça, c'était pas une invention, les croisants. Je crois que c'est réel. Dommage. Dommage, Kiki, putain! Kiki à 5 secondes, même pas, à 3 secondes. J'ai pas pu résister, mais c'est parce qu'on t'aime. Ah, tu l'avais! Oh, quel dommage, j'aurais eu double... Bah, je serais mort, en fait. Non, mais vraiment, je crois que là, on a évité le décès. Si j'avais eu ce jumpscare plus le don, je serais mort. Waouh, comment il m'a fait peur! Merci beaucoup Kiki, merci beaucoup pour le don, c'est super gentil. Merci. Je te remercie. Waouh. Par contre, il m'a vraiment fait flipper là. On se retrouve où là du coup ? Ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de crises cardiaques en un live, hein. Toujours pas de lampe torche. Hey, ok. C'est cool. Oh, il y a un orage dehors, ça y est. Il y a de l'orage. Putain, revoilà l'autre. Ça va ? Il y a un truc de louche avec ce mec. Il y a de l'orage dehors, putain, ça y est. Pourquoi on est rentré dans un bâtiment là? C'est un espèce de... Il y a des gens qui y vivent en tout cas. On entend courir, mais... Non, il me suit pas. Il me suit pas, il est resté dans l'ascenseur. Ah, il a pas payé son loyer, du coup il va être... Ok. Je flippe maintenant que j'éteins la lumière. Toshi, la porte, un type te regardait ? Quoi ? J'ai pas vu. Y a un gars qui me regardait ? Attends, est-ce qu'on est dans l'appart de...
du grand méchant loup, là? C'est là qu'il vivait, il disait. Non? Ou alors j'ai rien compris, mais... Il a pas pu payer son loyer. Il y avait une feuille collée à sa porte. Il s'est fait virer, et je crois que c'était ici qu'il vivait. Toshi, tu n'as pas vu les yeux? Non, attends, je vais regarder le clip. Vous avez fait un clip? On me regardait? J'ai pas vu. Attends, ça y est. Pourquoi on est rentré dans un bâtiment là? C'est un espèce de... Oh, mais ouais, putain. Oh, ouais, il y avait des yeux. Oh là, et vous êtes fort. Hein. Je l'ai pas vu. Hein. Bien vu. Effectivement. Décaché. Il y a un petit garçon. What? Il est mort ou quoi? Oulolo. Est-ce que je peux partir? Bordel. Oh, c'est lui. C'est lui. C'est le grand. Aren't you amazed at how much we look like? Est-ce que t'es pas impressionné à quel point on se ressemble? C'est ça qu'il dit? Pas lui parler à lui, c'est bizarre, non? Ah, je dois trouver son... I must find his toy. Je dois trouver son jouet. Ah, attends. Faut trouver un petit clown, je crois. J'avais pas vu le tiroir. J'avais pas vu ce petit truc de merde là. Parce qu'en fait ça c'était ouvert. Et quand ça c'est ouvert, on voit pas ce qu'il y a en dessous. C'était ouvert, je l'ai pas vu moi qu'il y avait une porte en bas. 10 minutes de perdu. Vous vous rendez compte? Allez, c'est reparti, on se réveille. On se réveille les Crozes, ça repart. Quel enfer. Quel enfer. Merci Kiki pour les bits, ça me remonte le moral. Allez, on va lui donner, vous êtes prêts? Tiens, c'est ton petit cadeau. Je peux pas bouger. Yes! Yes! La téléportation s'est bien passée. On est sur l'eau? Ça me fait penser au film Bruce Tout-Puissant. Quand il marche sur l'eau. Oula. Il est la city, la, il est la ville comme moi je hais la ville.
C'est moi. C'est moi le meurtrier. C'est moi qui les ai butés. Tu es un tueur. Tu es le tueur. Quoi ? C'était moi tout ce temps ? C'était mon démon intérieur en fait, le mec ? Putain, la moto ici. What ? Ah ! Il y a pas eu de bol, lui. Oh ! Oh ! Un pompe ! Mais quoi ? Hein ? Quoi ? Attends, l'écran, ça se transforme en shooter. L'enfoiré m'a pris pour le... Ah ok, lui, il pense pas. Pour lui, c'est pas lui, en fait. Lost family, lost home, lost everything. Nique ta mère ! Viens là, salaud ! Foiré, va. Je vais te plomber ! Viens là ! Alors du coup, on sait pas trop. Est-ce que c'est le monstre qui essaie de nous faire passer pour le tueur ? Ou est-ce que c'est bien nous, le tueur ? On va découvrir ça, les crozes. Je crois qu'on doit buter le... On doit buter la créature, là. Ah, j'ai pris totalement confiance avec le pompe. Ah, sa race ! Ah ! Oh, comment il m'a fait peur ! Bah attends, je lui ai mis une cartouche en pleine tronche, là. Il est censé être mort. Visiblement, un pompe ne suffit pas, t'as vu ? Non, il m'a pris par surprise, là, les crozes. Il m'a pris par surprise, l'enfoiré. On y retourne. Ok, on fait gaffe au coin parce que dans les coins des couloirs, il peut être là. J'essaie de me concentrer. Bon, je dois aller là. Donc là, on sait qu'il va arriver à droite. Ok, donc on marche pas trop vite. C'est pas un pompe qu'il faut, c'est une bible. Ok, on va la voir. On va la voir. Ok, on est pas mal là. Ouais, faut être vif. Faut être très très vif. Très 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 vif. Je me concentre. Je ne veux aucun don, aucun bits ces 10 prochaines minutes. Il va arriver là, c'est sûr. Ouh ! Eh, hey, faut vraiment être ultra rapide. Hein. C'est 4 coups pour le tuer. Attention. Des ballons. Il en a fallu 5 là! Putain. Oh, il est chaud cet enfoiré! Faut mourir, monsieur! Pff, on a eu chaud là. Hein. J'espère que tu as balles illimitées, je crois, ouais. Je crois. Ok. Non, j'ai vu le texte intéressant, c'était Inner Démon. C'est... Oh, on l'a dégommé. On l'a dégommé. Ah, ses yeux sont redevenus normaux. Alors attends. Est-ce que c'était notre démon intérieur ou est-ce que c'était vraiment quelqu'un de réel ?
Il sourit. Ah, il sourit. Ah, il sourit. Ah, salaud. Alors, Albert, après avoir tué Vulture, a reporté l'incident à la police. Le crime a fondé nos traces, ça vous l'avez dit. Ah, ils ont retrouvé aucune trace du corps de Vulture et aucune évidence de l'existence de Vulture. Sans preuve, la police a admis qu'Albert était un psychopathe. Donc c'était dans sa tête. C'est-à-dire que Vulture n'a jamais existé, c'était son démon intérieur, genre. Et on a les photos des... Oh, t'as la dinguerie. Donc on a joué un psychopathe pendant tout ce temps. Et on s'amusait à tuer les gens. Oh, non, 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 il a existé, regardez, il est là. Il est... Ah, j'ai des frissons. Il est là, à droite, à droite. Il est en haut à droite, il existe. Vulture existe. On a la preuve, là. C'est une entité, putain. Il est là, il est sur la photo. Ça veut dire qu'il a vraiment existé à la création du métro. Ça veut dire qu'Albert est innocent. Oh, la fin. Oh, la fin de Zinzin. Oh, il était trop bien. Oh, j'ai trop kiffé la fin, les crozes. On nous fait croire jusqu'au tout dernier moment que Albert est un psychopathe et que c'est dans sa tête. Et la dernière image du jeu, on voit le visage de Vulture sur une photo des années 30. Incroyable! C'est un démon qui possédait les gens. C'est une entité, il ne peut pas mourir. Bah les crozes, j'ai bien aimé, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. On aura mis 1h30 à le finir à peu près. C'était pas dégueulasse, hein. Ça a fait peur. Graphiquement beau. Le méchant fait très peur. Moi, franchement, la tête du démon, là. Bien flippant. Et le twist à la fin, quoi. Le twist final, quand on te dit que... Enfin, ça te retourne le cerveau. Bref, bah les crozes, j'espère que vous avez apprécié ce jeu et ce live. C'était très cool, hein.